RTL Madagascar. 22 millions d'aliars pour le centre Simbanamdjuru. RTL Madagascar a offert un chèque de 22 millions d'aliars au centre Simbanamdjuru de Murdav Ambuibao. Cette somme servira à financer la construction d'un internat qui pourra accueillir 40 enfants handicapés. Les équipements de cet internat seront également pris en charge par l'opérateur qui poursuit sa politique dans le domaine de l'action sociale. La remise du dit chèque s'est déroulée ce matin en présence des responsables du centre, des enfants ainsi que des membres de l'équipe d'RTL Madagascar au siège du centre. L'internat, quant à lui, est prévu ouvrir ses portes au mois d'octobre prochain. Écoutons les explications de Mamie Agnès Mouadi, directeur des ressources humaines d'RTL Madagascar. Ok, on a reçu du centre Simbanam une demande. On a reçu une demande de support par rapport à la construction de l'internat. Au fait, ils nous ont demandé de les appuyer dans l'achat du matériel pour que l'internat puisse être fonctionnel. Et nous, on a choisi de faire un don en espèces correspondant à une bonne partie de cette demande-là, d'à peu près 22 millions. Donc, c'est clair que RTL, en termes de support pour ce qui est responsabilité sociale, on ne va pas s'arrêter là. Mais pour cette première année financière, parce que nous, notre année financière commence le 1er avril. Donc, c'est le premier geste qu'on fait pour le centre Simba. Pour le centre également, la directrice a parlé tout à l'heure d'encore, il y en a beaucoup qui veulent rester pour l'internat. Donc, est-ce que vous aurez encore quelque chose à appuyer pour ce projet-là? Ok, on n'a pas de problème. Si le centre fait encore appel à nous, on pourra toujours voir ce qui peut être fait dans la mesure du possible. Okay. Mais sur le principe, c'est notre priorité, c'est vraiment d'aider dans la responsabilité sociale. Oui, justement, pourquoi avoir choisi le centre Simbanam, celui-ci, et pas un autre, par exemple? Bon, déjà, premièrement, parce que le centre Simbanam nous a sollicité. C'est eux qui sont venus vers nous. Ils nous ont écrit et on a regardé dans la mesure du possible ce qu'on pouvait faire et c'est ce qu'on a fait. Mmh.